Ravi de vous avoir avec nous. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, on aura au programme des news sur Apple avec ses nouveaux iPad Pro qui sont sortis. On va parler également de gaming. J'ai plein d'abonnés qui me demandent de leur faire des suppositions, de leur proposer des jeux qu'ils pourront jouer sur leur téléphone. On va faire également un tour d'horizon de Google et Motorola et on finira par Techno et Oremo. Allez, on va démarrer avec les news de Apple. Apple, donc, aujourd'hui a annoncé deux nouveaux appareils, un iPad Pro 11 pouces et un iPad de 10e génération. Ces deux nouveaux iPads viennent compléter la gamme de chez Apple. Apple met à jour ses iPad Pro avec son tout nouveau processeur M2 et avec de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées. Le iPad Pro 11 pouces a donc la puce M2, va retrouver un écran un peu plus grand de 11 pouces, va retrouver tout ce qu'il y a comme appareil pro avec des capteurs un peu plus évolués, également du Wi-Fi 6 et la compatibilité avec le Apple Pencil. Donc c'est un stylet, c'est le bic qui pourra permettre de créer sur la tablette, de pouvoir permettre de profiter pleinement de cet iPad Pro là avec beaucoup plus de précision, on va dire ça comme ça. Les nouveaux iPads ont profité de la nouvelle forme de Wi-Fi, donc la nouvelle norme Wi-Fi. Le Wi-Fi 6E qui permet de faire des téléchargements jusqu'à 2,4 gigabits. Donc, c'est deux fois plus rapide que les modèles précédents. Notera également une mise à jour de la connectivité Bluetooth avec du Bluetooth 5.0. Et on va noter que ce nouvel iPad M2 a de nouvelles fonctionnalités photo et également un nouvel encodeur ProRes. Pour ce qui est du modèle de 10e génération, on va retrouver la puce A14 Bionic et également un design qui a été revu avec un écran liquide Retina et un capteur photo de 12 mégapixels. Voilà un tout petit peu pour le tour de ces deux nouveaux Apple et ces deux nouveaux iPad, pardon. Apple ne s'est également pas arrêté là et propose également une nouvelle Apple TV 4K. Une Apple TV, pour ceux qui ne savent pas, c'est un appareil qui se connecte sur un téléviseur afin de vous permettre de profiter de divers contenus multimédia sur votre téléviseur. Et ce iPad Apple TV 4K donc profite donc de la 4K. On aura une télécommande qui a été également revue et améliorée également. On aura deux versions, une version avec 64 Go de stockage interne avec le Wi-Fi et une seconde version avec 128 Go de stockage interne avec le Wi-Fi et le support du câble Ethernet. Pour ce qui est de la connectivité sur cette Apple TV 4K, on va retrouver du Wi-Fi, on va retrouver de l'HDMI 2.1 et on va également retrouver du Wi-Fi 6 pour la connectivité Wi-Fi. On va retrouver également le mode série sur la télécommande pour pouvoir la commander directement depuis votre télécommande et c'est vraiment un gros plus. Pour ce qui est des prix, le nouveau iPad Pro 11 pouces démarre à partir de 1069 euros, donc un peu plus de 650 000. Le iPad de 10e génération, lui, il démarre autour de 589 euros, donc autour de 300 400 000. Et pour l'Apple TV, on va devoir débourser un peu moins de 129 euros pour pouvoir acquérir une nouvelle, un peu moins, pardon, de 169 euros pour la version Wi-Fi 64 Go pour avoir l'Apple TV 4K. Voilà ce qui est de chez Apple. Pour ce qui est de gaming, tous ceux qui sont friands de gaming, qui sont friands de games sur mobile surtout, je reçois beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce que je peux leur proposer comme game. Aujourd'hui, il y a Torchlight, un hack and slash qui est disponible désormais sur Android. Il est gratuit. C'est un jeu multijoueur. Il y a de gros serveurs. Il y a beaucoup de joueurs sur les serveurs. Vous pourrez donc profiter de ce jeu-là pleinement sur votre téléphone Android. Et si vous avez suffisamment d'espace, donc le jeu est disponible sur Android, gratuit, disponible sur le Play Store. Allez-y, les yeux fermés. C'est du super lourd avec un jeu complet, avec plein d'interactions, avec plein de personnages, avec une personnalisation des personnages poussée. Vous allez vraiment apprécier. Donc ça, c'est pour Torchlight. On va maintenant partir du côté de chez Google. Google, aujourd'hui, on notera que la firme a quelques petits soucis avec le nouveau
Avec ce nouveau Pixel, il y a plusieurs utilisateurs qui se sont plaints de bugs dans le scrolling, dans le défilement, et donc le taux de rafraîchissement n'était pas super bien calibré. Donc on avait plusieurs bugs, des lenteurs dans l'usage des deux nouveaux Pixel. La majorité des recours ont été faits sur le Pixel 7 Pro. C'est un gros bug pour Google aujourd'hui avec le lancement de ces nouveaux Pixel-là. Et avec quand même le vent en poupe. Et là, on espère que dans les semaines à venir, Google va corriger le tir avec un correctif pour pouvoir essayer de relancer ces nouveaux pixels-là. Du côté de chez Motorola, grosse nouvelle, on apprend ici qu'on aura chez Motorola un nouveau téléphone en préparation, un téléphone pliant. Voilà, on sait que la gamme des pliables avec Samsung et plusieurs autres marques qui sont lancées sur ce marché-là. On a le Huawei, on a Samsung qui règne sur ce marché-là avec ses Fold et ses Flip. Aujourd'hui, on vous apprend que Motorola est prêt à se lancer également sur ce marché-là avec un nouveau téléphone. On sait que Motorola est un vieux de la vieille, avec tout ce qu'il y a comme brevet et tout. On sait que Motorola, on attend vraiment de voir ce que ce Motorola aura à proposer, surtout quand on se rappelle ce que Motorola propose dernièrement avec le nouveau Razr Flip. On attend beaucoup de ce prochain Motorola. Du côté de chez Oremo, qu'est-ce qu'on va dire? Oremo, c'est une marque d'accessoires qui fait également des montres connectées. On a une toute nouvelle montre connectée qui est la Oremo Watch 2 Plus. C'est une montre connectée classique de chez Oremo, donc qui permet de pouvoir profiter de plein de nouvelles fonctionnalités. On a d'abord un design qui a été revu et remis au goût du jour. On va également avoir plusieurs fonctionnalités en plus. Un écran de 1,69 pouces avec une définition de 240 fois 280 pixels, un peu plus lumineux que les précédents modèles. Donc vous n'aurez pas de mal à pouvoir l'utiliser en extérieur. On va retrouver que la montre permet de pouvoir recevoir en grand toutes les notifications d'appels et de SMS. À l'arrière de la montre, on va retrouver un capteur de fréquence cardiaque, le port de charge et un haut-parleur pour vous donner quelques sonorités sur vos activités. Sur le côté, on aura deux boutons, un bouton d'accueil et un bouton de réglage sportif, ainsi qu'un microphone. Pour ce qui est des performances, vous devez coupler la montre avec l'application Joyway 2 qui est disponible sur App Store et sur le Play Store. Vous allez devoir vous créer un compte, bien évidemment, afin de pouvoir profiter au mieux de cette montre-là. La montre Profit offre désormais plusieurs modes de réglage sport. On en aura pas moins de 24. On va partir du football, on aura du basketball, on aura de la course en plein air, du vélo, de la randonnée et plein d'autres sports. Vous pouvez naviguer tranquillement sur la montre en glissant du bas vers le haut et dans tous les sens afin de pouvoir profiter des nouveaux réglages, de la luminosité, de la torche, du mode ne pas déranger et plusieurs autres montres. C'est une montre intelligente qui est abordable. Voilà, donc si vous êtes à la recherche d'une montre abordable et une montre intelligente, avec cette Oremo Watch 2 Plus, vous aurez ce qu'il vous faut. En général, ces montres-là ne sont pas super coûteuses. Elle sera peut-être un premier jet dans l'univers des montres connectées. Essayez là, vous m'en direz des nouvelles. Nouvelles encore du côté de chez Technomobile. Techno qui a apprécié l'expérience avec le Techno Camon 19 Mondrian Edition. Il nous sort également une seconde édition du Techno Spark 9 Pro avec un design qui a été revu et remis à au goût du jour. On va remarquer là des designs circulaires pour les caméras avec des couleurs différentes. Donc, Techno a compris aujourd'hui que le marché mobile a beaucoup évolué et les utilisateurs sont très friands de téléphones beaux, flashy, etc. Pour ce qui est des performances, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grosse différence entre les différentes marques sur le milieu d'entrée de gamme, sur le haut de gamme également. Mais avec aujourd'hui, la différence entre les différents téléphones se fera principalement autour du design et des fonctionnalités spéciales apportées. Là, ce nouveau Spark 9 Pro spécial, là, vraiment avec ce design-là, il passera sûrement pas inaperçu. Donc, pour tous ceux qui sont friands de ce type de téléphone flashy,
Voilà, donc la cible, c'est les jeunes, et donc flashy, e-sport et tout. Là, avec celui-là, je crois que vous avez ce qu'il vous faut. Je ne crois pas que vous allez pouvoir en tirer mieux. Pour les spécifications du téléphone, on va retrouver sous le capot un socle Helio G85 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. On va retrouver également le téléphone tourne sous Android 12. On va croiser les doigts, je crois vraiment pas qu'il passera sous Android 13. Pas évident, pas sûr. Voilà. Donc, pour le prix ne devrait pas s'éloigner de ce que Techno a proposé déjà avec le Spark 9 Pro. Il tournait déjà autour de 110, 105 000 francs CFA ici à Abidjan. Concernant la disponibilité, on n'est pas prêt de le voir arriver sous nos cieux. On va attendre encore, on va croiser les doigts de pouvoir le voir arriver. En tout cas, il a de la gueule, il claque vraiment, c'est très beau, un très beau téléphone. Ravi d'avoir avec nous passion smartphone. C'est pas un canon, c'est un Spark exactement. C'est le Spark 9 Pro Sport Edition. Voilà un tout petit peu. On va finir notre petit tour d'horizon de l'actualité par notre par, en vous présentant notre petit site internet. Pour ceux qui se le connaissent déjà, il s'agit du site phonerole.com. Vous pourrez trouver tout ce qu'il y a comme actualité mobile de la semaine. Chaque jour, on essaie de proposer des nouveautés, de nouvelles news concernant l'actu. Donc, essayez de faire un tour, abonnez-vous et partagez également les news qu'on a sur ce site-là. C'est notre site à nous, on essaie de faire ce qu'on peut autant que faire se peut. On a également notre seconde chaîne de gaming sur laquelle on va vous inviter également à vous abonner. Ça s'appelle Gaming by Zach le Messager. Ce serait intéressant qu'on puisse s'y retrouver afin de pouvoir découvrir des nouveautés. Je passe beaucoup, je passe quelques temps souvent là-bas en train de jouer, tester les jeux. Je joue principalement sur mobile. Je joue également sur console et sur PC. Donc là, j'ai quelques jeux déjà, quelques vidéos de Diablo Immortal. Ça fait quelques mois que je n'ai pas touché. Mais je compte réellement relancer le gaming. Donc abonnez-vous. Ça fera plaisir. Forza Horizon 5, eFootball 2022 et plusieurs autres jeux. Donc c'est ma chaîne secondaire sur laquelle je partage un tout petit peu ce que j'apprécie dans l'univers du gaming. Pour ceux également qui ont envie d'en savoir plus, on a ici de l'actualité sur les meilleurs émulateurs pour Android. Donc là, c'est un site anglais, un site américain, qui a listé les meilleurs émulateurs pour Android. Pour ceux qui ne savent pas, un émulateur va vous permettre de pouvoir profiter pleinement de votre téléphone. Vous allez pouvoir installer des applications afin de jouer aux jeux les plus anciens sortis dans les années précédentes, on va dire. Donc là, on va démarrer avec Ateza qui permet de jouer, d'émuler de la PlayStation 2 sur votre téléphone Android. On aura SNES 9X qui permet d'émuler de la Super Nintendo. On aura Gen Plus Droid qui permet d'émuler la Sega Genesis, donc la Sega, on aura My Boy pour tout ce qui est Game Boy, et vous aurez ainsi plusieurs autres émulateurs. Donc pour ceux qui sont friands de gaming, un article à voir sur Android Police Best Emulator. On va essayer de faire, on va essayer de vous le mettre également sur le site PhoneRoll afin que vous puissiez profiter de tous ces super émulateurs. Maintenant, on va faire un petit tour d'horizon de tout ce qu'il y a comme news. J'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit également. Je vais essayer de répondre à vos différentes questions et préoccupations sur la chaîne YouTube aujourd'hui. Et également aux abonnés qui regardent cette vidéo en direct. Peace. Passion smartphone. Quel émulateur je vous conseille? En général, ça dépendra de vos choix. Si vous avez joué à la PS2, vous avez envie de jouer à la jeu PS2, vous pourrez partir directement sur des émulateurs de PS2. Après, il va falloir trouver des ROM, c'est pas légal de pouvoir les télécharger. Si vous avez le jeu original, vous pourrez télécharger la ROM et pouvoir en profiter directement sur votre téléphone. Après, si vous êtes friand de rétro gaming, que vous cherchez des jeux pour NES par exemple, vous allez en pouvoir en trouver également. Pour les jeux de NES, c'est vraiment Super Mario Bros, Super Mario World,
et Zelda Link of the Past, etc. Il y a plusieurs gros jeux qui sont sortis sur ces consoles-là. Le Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, etc. De gros jeux que vous pourrez retrouver sur votre téléphone, dans le train, dans les transports en commun, quelques parties, ça devrait faire l'affaire. Ok. Pour le point des questions sur les vidéos précédentes concernant les MAJC Techno Mobile. C'est bien dommage, hein? On attend encore la mise à jour promise par Techno. Techno avait promis mettre à jour ses téléphones de la gamme des Camon 18 premiers et également les Camon 19. On attend encore de voir ce que ça donnera. Il y a toujours pas de nouveautés de news sur ces mises à jour-là. Le Camon 18 premier est toujours sous Android 12. On va croiser les doigts. Je ne sais même pas si ça se fera. Là, on est déjà Android 13. Je ne sais pas si ils auront deux équipes pour préparer Android 13 sur les Camon 19 et Android 12 sur les modèles précédents. Ça sera un tout petit peu plus compliqué. Pour tous ceux qui me posent des questions concernant des bugs sur leur téléphone, des réparations et tout, je vous renvoie directement chez Technomobile. Vous pourrez directement vous rendre sur leur page Facebook ou sur leurs différents comptes sur les réseaux sociaux afin de pouvoir communiquer directement avec eux. Les questions, je vais essayer de répondre tant que faire se peut. Mais là, par exemple, des questions sur des bugs sur le téléphone, etc. C'est pas toujours évident pour moi de trouver des solutions idoines. Le plus simple déjà, quand vous avez un bug sur un téléphone, c'est de le redémarrer. Donc l'éteindre pour le redémarrer, pour voir si ça permet de régler au moins ce petit souci-là. Si ce n'est pas le cas, bon, vous allez devoir passer par la case réinitialisation ou directement vous rendre chez le constructeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre question? Pour ce qui est de l'application Joyware 2, elle est disponible sur le Play Store, vous pourrez la télécharger afin de pouvoir l'installer et en profiter pleinement. Les lives, c'est tous les mardis à 20h. On va essayer de tenir le coup. On est déjà au sixième épisode, troisième épisode depuis la reprise. On va essayer de le faire chaque mardi, vous faire un petit récap de tout ce qu'il y a comme actualité, un peu de FAQ, répondre à vos différentes questions autant que faire se peut. C'est toujours bien de pouvoir échanger avec les abonnés. On est plus de 23 000 sur la chaîne. J'espère que ce nouveau rendez-vous-là, vous allez y adhérer. Ça permet de pouvoir s'informer un tout petit peu et on gardera les autres jours pour les news, pour les déballages et autres. C'est clair. Moi, je suis également très friand de rétro gaming. Je joue également sur PC principalement et sur console, mais principalement sur PC aujourd'hui. Et je suis friand de rétro gaming. Donc, on va essayer de faire avec ça, en fait. Avec ces émulateurs-là, on peut se remémorer, on peut se retrouver sur les jeux qui ont marqué notre enfance, qui ont marqué les années précédentes. C'est aussi bon pour les plus jeunes de découvrir ce qui se faisait dans les années précédentes. Voilà. J'ai également sur ma chaîne une vidéo qui présente une manette pour Android. Voilà. Cette manette-là, la configuration pour tous les jeux, je ne l'ai pas. Je l'utilise principalement pour jouer à Diablo Immortal, ça fonctionne super bien. En configurant la manette également, je peux jouer avec quelques hacks à PS mobile, mais ça fonctionne pas super bien. Des fois ça passe, des fois non. Donc certains jeux en fait pour limiter un tout petit peu, pour ne pas défavoriser les autres joueurs, ont bloqué l'usage de manette. Donc, si vous avez une manette que vous la branchez sur votre téléphone, qu'elle ne fonctionne pas, ne craignez pas, c'est juste que c'est pas compatible. Certains jeux le sont, d'autres le sont pas. Il n'y a pas forcément de logique à l'intérieur, c'est juste des développeurs qui ont choisi de ne pas les rendre compatibles avec leur jeu. Waouh, super rétro gaming. Ah, c'est que tu es, voilà, super. On est tout de l'eau friand de rétro gaming. Moi, je suis très friand de rétro gaming, surtout tout ce qui est ancien Zelda, ancien c'est les Castlevania, c'est des jeux qui ont marqué l'histoire. Castlevania, quoi d'autre aussi, je suis friand de vieux, tout ce qui est jeu de combat, hein, tout ce qui est jeu de combat, SF, Street Fighter, pas Mortal Kombat, je kiffe pas trop, mais beaucoup plus Street Fighter, First Strike, etc. Il y a aussi un jeu que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup joué dans le temps, c'était Garou.
Garou Mark of Wolf, un truc comme ça. J'ai beaucoup apprécié. Après, dans le tout ce qui est de des jeux de plateforme, il n'y a pas meilleur que Mario. Il y a aussi Sonic. Voilà. Donc, il y a plein de jeux, en fait, avec lesquels on a grandi, qui n'ont pas réellement, il n'y a pas vraiment eu de portage sur mobile. C'est vraiment dommage. On aurait aimé avoir un super Sonic. Les Sonic, tout ça, sur portable. Après, ça va coûter super cher et tout. Donc, c'est agréable de pouvoir les retrouver. J'ai également imaginé, j'ai même là encore une Ultra, une Nintendo 64, ouais, qui fonctionne encore, que je m'amuse à relancer de temps en temps avec un Zelda, Rayman et tout, de gros jeux qui ont fait leur temps. Voilà. Donc voilà un tout petit peu, c'était un autre petit point de l'actualité d'aujourd'hui. On va le faire ainsi, le prochain rendez-vous est pris pour mardi prochain. On va essayer de le faire toujours à 20h, garder le cap. Si vous avez des questions en semaine, lâchez-vous sur nos différents postes. On va essayer de répondre aux questions autant que faire se peut. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir avec nous. Plus on est de fourmis, on rit, nous le dit-on pas. Pour ceux qui ont envie d'en apprendre un peu plus, je fais également des formations en rédaction web. Donc, c'est une nouvelle formation que je veux lancer en rédaction web. Ceux qui ont envie d'apprendre à écrire pour le web, d'apprendre à écrire, apprendre à créer un blog, apprendre à animer un blog, apprendre à gérer un blog, voilà. On va lancer une formation sur la création de contenu en ligne. Donc, je pense que je vais faire déjà une session gratuite le vendredi sur prochain. Donc, restez connectés. On sera heureux de vous voir avec nous pendant cette session gratuite-là de formation. Et après, on va passer sur des sessions un peu plus longues, un peu plus intensives, un peu plus personnalisées, qui seront réellement payantes. Donc, j'attends également votre soutien. Soutenez-moi, ça fait toujours plaisir. On est nombreux sur la chaîne. Ça sera un super plus. Voilà, c'est donc tout pour cette actualité de ce mardi 18 octobre 2022. J'espère que vous aurez apprécié les différentes news qu'on a abordées. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Allez, shalom et à la prochaine. Thank you.